arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Y'a plus de petit peu de Sabaku, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu bizarre. Avant que je vous explique le conseil, n'hésitez pas à vous abonner chez un Foodplay car beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc vraiment, faites-le, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutient vraiment de ouf. Donc les gars, aujourd'hui, on a vu une compétition que j'ai, je dois m'entraîner avec des decks. Dans ces decks, j'en ai 16 au total. Je vais tous vous le dévoiler maintenant, mais dans un ordre différent pour qu'on puisse me snipe plus tard. Donc aujourd'hui, on va jouer mon deck principal cimetière. On va jouer ce petit deck et un petit deck MK. Avec le cimetière, je ne ferai qu'une game. Ce sera la dernière parce que dans tous les cas, c'est le deck que je sais mieux jouer, donc c'est pas très grave. Donc, on va directement partir dans cette première game contre Niçois. Un petit deck recrue barbare d'élite. Parti avec Sapeur. Placement de Sapeur. Une petite machine ici pour défendre. Tranquille. Ok. Non, le plus grand de tous les calmes. Alors, du coup, ensuite. La machine qui veut. Ok, machine qui a. Il est bien défendu. Il joue de sa part. Hop. Non. Je pense qu'on va partir à partir de map, c'est une certitude. Map, on a les barbares d'élite pour appuyer, pour pouvoir accompagner. Il y aura une bonne boule de feu ici. On peut tout choper. J'ai une chopée l'électro et la Tesla. Oh, parfait ça. Ok, bah quête la Valkyrie. Mettre une pression. Ok, bien joué ces chauves-souris. C'est le truc que je peux pas vraiment pas gérer. Enfin, une belle molotte. Ok, force avec un zap en plus. C'est pas mal. On voit une petite machine et on mettra un petit mineur ici pour accompagner. On sait qu'il doit avoir 2-3 grands maximum. Elle vient d'avoir 3 par exemple. Elle a 0 pile poil. Et voilà, une machine gratuite qui va aller bien gratter ici. Pas mal. Et pour l'instant, on a un gros avantage. Et à partir. Hop. On sait qu'il a un cochon. Et à partir de là, je suppose. Quelques dégâts, mais c'est rien de dramatique. Hein. On a vu le bus qui arrive. Il y a un bus, les gars, le bus magique, hein, comme Wallow fait l'appel. On va continuer une pression, un petit truc. Au pont pour pré-shot, ou pas. La bûche pas très utile, mais on va aller prendre cette petite victoire, ce qui est plus de c'est important. Parfait. Parfait, parfait. Voilà, pas dans cette deuxième game, c'est hyper. Milton. Comment c'est, les gars? Est-ce qu'on sait pas être comme des filles classiques? Ah, c'est pas des petits zappers form up. Ah, pour si. Beaucoup d'élixir déjà, mais je joue une petite splash yard. Voler les sorts d'Alex. Là, je sais qu'il a 0. 3 d'avance. Avec 3 d'avance, du coup, on a 10 kills. Je
je vais essayer pour... Milton, je crois que c'est un bon... Milton, je sais pas, je crois que c'est un bon joueur et français en plus. Sans rien à signaler, avec une petite pitch, avec un petit mineur sapeur ici. Peut-être qu'il a changé ce qu'il a fait, c'était pas ouf. Chat qu'il a eu. Ah, par contre, il est plus de l'ex le frérot. Peut-être le chevalier, ouais, c'est tout. Et il a zéro. Il a encore de l'ex. J'ai mal compté. Là, il a zéro, tu vois. Là, du coup, on a plus 4. Forcer. Pas forcer, ça sert à rien de forcer, c'est de temps ce qui est. On va passer les titres. Griffon 9, je veux dire. La push. Ok, il n'y a rien à foutre. Très bon. C'est sympa les steaks. On n'est pas de boule de feu, je peux essayer de forcer avec ça. Voyez, les gars, une fois que. En fait, là, j'ai gâté qu'il n'y a pas de boule de feu, du coup, mes appis étaient faits gratos. Et voilà, petite victoire. Assez facile avec ce deck. Vous voyez, ce deck est très puissant. Hop. Ok. Voilà, on se retrouve pour le prochain deck. Ok, et voici le deuxième petit deck. Ce petit MK, normalement, ici. Et j'ai mis la Smarmy Sincère sur mon compte. Pas de champion. Donc on part dans la première game. Enfin, la troisième game, du coup. Le premier mec, c'est PK. Il s'en a pas comme ça. Est-ce qu'il va faire son top? Ok, très bien. Le scooter, ça peut être mal, ok. Ah. Un fût en plus, salope. Quel fantôme reste chiant pour lui. Et en plus, il a pointé. En deux coups de barboire, ça c'est pas mal. On a même ici qui... Pas de gros sort. C'est du MK qui joue. MK. C'est du MK, ça peut. Ok, très bien. Je retiens, il s'en bat les steaks. Mon dieu. Je perds ma voleuse, wesh. On peut voir ça avec Ava parce que là c'est qu'il a pas de bâtiment non plus. Il n'y a qu'une K pour bien arrêter. Ça ne suffira pas et tant mieux. Là va y mettre mon dégâts. Donc là je continue une pression puisqu'on sait qu'il n'y a plus d'exir. Au moins il va défendre pour mettre une petite boule à sa gauche. Ok, c'est bien joué, il défend pas. J'ai une énergie magique parce qu'il n'y a plus d'exir, sauf que là du coup il y a toujours 0. Et là on se retrouve avec 3 d'avance. Donc ça voilà, ça met très bien sur cette game. On a 3 d'avance sur l'adversaire. Il y a 8 sorts sur le terrain. Il n'y a pas de gros sorts encore, on rappelle. Là, on a un de retard. Qu'est-ce qu'on a un. C'est bien. Là, je quitte. Et là, je quitte. Bon, bah, on se retrouve dans la prochaine game. C'est parti, dernier game, ce petit deck. Chevalier, bonjour, petit cimetière. Pour aller chercher 12-0.
Le soccer, c'est pas une petite mamie. Le timing. Ben non, je l'ai pas. Let's go. Ok. Un petit fantôme. Non, je pense juste qu'il y a ce petit. Où ça? Qui est peur? C'est parfait. Ah, on va les mettre de points dommage. Ok, il est très bien. Je pense. Non, j'ai pas envie de pression. Moi aussi, j'en ai une pression. Je pense. Regardez, comme ça. Horde. Hop. C'est bon. Ici. Pas la même. Allez. On fait spawn. C'est une situation à droite pour le déborder si on peut. Ok, mais c'est très bien. On part. Kava ici. Défendre. Un petit chien en plus. Ok, peur. Peut se moquer que dommage, il joue bien le mec en face, il joue très très bien. Et je vais aller au petit. Ok. Cette fois on garde bien le fuir hein, cette fois. Ok. Et parfait. Ok, ça va être compliqué, trois mousquetaires. Peut-être notre première défaite, hein, je sais pas. On verra bien. L'ordre qui est vraiment chiante, hein. On a pas grand chose pour la gérer. Ok, là on a la foudre qui va être pas mal. Il y a vraiment tout pour défendre quoi, c'est trop chiant. Il y a vraiment tout pour défendre, c'est vraiment relou. En plus, on a une tour à 300 HP. Let's go les gars, let's go les gars, let's go les gars. Oh le miracle. Oh la game de fou furieux. Oh lui t'es bon, lui t'es chaud. T'es bon, t'es bon. Lui je voulais juste voir.
Ok, bon les gars, on se retrouve pour la dernière game. Bon voilà les gars, on se retrouve pour la dernière game avec ce petit deck. Bon voilà, ça c'est mon deck principal les gars. Normalement, c'est le 12-0 assuré. Là, c'est un gros joueur. Peut-être pas le 12-0, on va se calmer. Peut-être on aura un game avec ce deck. Son combat très... Ok, quand c'est une petite elfe qui arrive en terrain en installation. Ok. Bon, reine. Cette reine, c'est... Reine bûche. Ah, c'est pas le deck cochon royal par hasard. Ouais, si, c'est ça. C'est carrément deck cochon royal, ça. Ok, bon. Eh ben écoutez, on bat tempo. Vraiment, il en a rien à foutre. Pas son problème. On a pris un petit coup de cochon, c'est parfait. Ennemi pour 6. On n'a pas d'amontage, donc on va pas forcément faire ça. Manque de cartes, faut que je cycle. Y'a rien pour Izet, hein. Y'a rien pour Izet. Donc il a rien pour Izet. Il va se moquer en plus. Il faut toujours écarter la Valkyrie ou c'est pour défaut. Parfait. Et je vais défendre la reine, j'ai pas le choix. J'ai pas encore parti à cimetière. Ah non, non, c'est pas le moment. Et c'est le moment. C'est pas le bon moment, aïe. J'ai même dosé le moment. Cette fois-ci, ça capa. Oh, il utilise pas sa capa, intéressant. Mais c'est qu'un rage. Il a pris trop cher. Mais c'est le push, ça va être comme ça. J'ai pas le choix de faire autrement que comme ça. Ok. Malheureusement, on prend cher. Je peux s'écarter. C'est pas dramatique. On a le bullet. Ok, il utilise encore pas sa capa, c'est encore une bonne nouvelle ça. Ah, c'est où est-ce qu'il va push? Ok. Ah si, mais ça rien au pont. Ok, ça rien à bâtir. Je vais pouvoir la gel. C'était un truc comme ça. Il avait une mauvaise capa ici. Pas trop mal. Le problème, c'est qu'il défend trop bien mon push. Par cochon maintenant. Un petit coup d'électro-sorte. Et là, il a fait une grosse erreur de sa part. Et là, je pense sur ça, il vient de loose. Ok,
Oh là là les gars, cette game, oh là 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 là, juste des games insane les gars. Oh wow. Wow les gars, ce petit 2-0, il mérite son screen, il mérite son screen pour sa petite légende. Donc les gars, allez, je me suis sur Insta les gars si vous voulez voir ce genre de truc. Ah les gars, cette saveur je la déguste. Ah, plus on a le petit badge que j'ai pas encore fait sur ce compte, donc on a fait le petit badge, c'est plaisir. Et les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, sûrement, restez vrai avec vous. Ciao, ciao.